Manon Petit, on vous le disait, ça a été en tous les cas jusqu'aux qualifications comme ça, c'est-à-dire une petite promenade de santé. La grande question, Alex, c'est est-ce qu'elle peut tenir? On l'a vu, hein, son point fort, c'est le départ, incontestablement, et c'est à ce jeu-là qu'elle fait la différence. Pour l'instant, très facile sur la glisse. Manon Petit a dominé les débats jusqu'à présent, on vous l'a dit, impérial en qualif, une leçon encore en demi-finale, franchement, il faut... Attention quand même à Heidegger. Allez, attention, on surveille le départ, c'est parti pour Manon Petit, faut absolument prendre un très bon départ. Oh, la bagarre avec Heidegger, la petite perte d'équilibre, non, c'est bon pour Manon. Ouais, grosse bagarre entre Manon Petit et Heidegger, la Suissesse. Et pour l'instant, c'est la Française qui est devant. Mais attention, ça revient vite derrière, elle est dans l'aspiration Heidegger. Elle se cale juste derrière notre Française qui, pour l'instant, mène les débats. Ouais, se baisser pour ne pas faire profiter de son aspiration. Ouais, attention Alex, attention, allez, surtout ouais, attention, on va peut-être lui faire l'intérieur. Heidegger, la Suissesse à l'intérieur. Ouais, petite touche, mais elle est restée sur ses cannes, la Française. Manon Petit, toujours leader de cette finale. Allez, il faut aller décrocher la médaille d'or pour Manon. Faut décrocher la médaille d'or. Possible médaille d'or pour Manon Petit en snowboard cross ici aux Jeux Olympiques de la Jeunesse. Ouais, c'est fait. C'est fait pour Manon Petit, la Française qui décroche la médaille d'or, Alex, devant Heidegger. Cette petite a tout d'une grande. Ah oui, elle a tout d'une grande. Manon Petit, médaillé d'or ici à Lillehammer. Ainsi dit au départ, maligne dans les virages, très agile sur sa planche, elle a 17 ans et dégage déjà une maturité étonnante dans la gestion de ses courses. Manon Petit, le noir, a survolé les débats en snowboard cross lors des Jeux Olympiques de la Jeunesse à Lillehammer. La Haute-Savoyarde a survolé la concurrence, première des qualifications, première des séries, première de sa demi-finale. Manon Petit-Lenoir n'a fait qu'une bouchée du run final. C'est une super expérience, la piste est très cool. L'an dernier, j'étais tombée en finale, mais Manon est de retour.